Siriri is the name of the film we just saw, and Siriri means peace in Sango, which is one of the languages spoken in Central Africa. And I'm very happy that we can welcome two of the protagonists of this film we just saw. First of all, the Cardinal Zappalainga, Dieudonné Cardinal Zappalainga. I'm very happy that you're here. So he is the youngest, when he was appointed, he was the youngest cardinal of the Catholic Church, and I think he still is, and the first cardinal from the Central African Republic. So, very happy to have you here. Monsieur le cardinal Dieudonné Nzapalainga est donc le plus jeune cardinal qui a été voté et qui est toujours le plus jeune aujourd'hui, il me semble. I forgot to mention that we have a simultaneous translation into French as our Central African guests only speak French and not English. And next, I welcome Imam Abdoulaye Boissalegue. He is the Secretary General of the Higher Islamic Council of the Central African Republic, and as you can see, he is not the imam who was in the film, because tragically, Imam Kobine Layama, who was in the film, died unexpectedly last November. And now Imam Boissalegue took over his task. L'imam Abdoulaye Boissalegue est le secrétaire général du Haut Conseil islamique de la République centrafricaine. Et comme vous voyez, il n'est pas l'imam que vous avez vu dans le film. Malheureusement et tragiquement, l'imam Oumar Koubine Layama est décédé en novembre dernier. And last but not least, we welcome the director of the film, Manuel von Stürler. A Swiss director, composer, and musician who made with Siriri his third film. His first film was Winter Nomads, about shepherds in the Swiss Alps, that in 2012 won the European Film Prize. Welcome you all. Siriri est son troisième film, pouvant film Hiver Nomade, et il a été décerné le prix du film européen en 2012. Bienvenue, Manuel von Stürler. Your Eminence, I'd like to ask the first question to you, as where do you get every day the hope and the strength to go out to the province, to listen to all those stories of loss, of violence, and trying to make peace, to heal the people? Where did you get the strength? Votre Éminence, la première question s'adresse à vous. D'où prenez-vous cette force au quotidien et cet espoir pour sortir, pour voyager dans les provinces de votre pays, aller écouter les gens, écouter leurs pertes, écouter leurs histoires de violence, essayer de guérir leur mal. Merci beaucoup. Je puise ma force en Dieu, parce que je suis croyant. Et chaque jour que je me lève, quand je me tourne vers lui, je reçois des forces, même si c'est difficile
Même si c'est horrible, je viens tout remettre entre ses mains. Il me donne encore de nouvelles forces pour commencer une nouvelle journée. Thank you so much. Actually, I get my strength from God, from my faith in God. Every day when I get up, He gives me strength. I know it is difficult, it is horrible, but I get my strength from His hands. As a cardinal, actually, you could live a more comfortable life of staying in your office in Bangui, and also there, the capital of Central African Republic, and yes, living a more comfortable life. Mais en tant que cardinal, vous pourriez avoir une vie bien plus confortable en restant dans votre bureau à Bangui, donc dans la capitale de la République centrafricaine. Pourquoi faites-vous tout cela? Quand on est une maman ou un père responsable et consciencieux, quand son enfant pleure ou est malade, on souffre avec l'enfant. Moi, je suis père d'une population, et quand la population souffre, moi aussi je souffre. Voilà pourquoi je pars pour être proche de cette population, compatir avec la population, prendre sur moi leur douleur, comme fait une maman qui prend la chaleur de son enfant sur lui. Moi, je vais prendre sur moi les revendications, les détresses, l'espérance, pour pouvoir dire à mes enfants, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira par se lever. Thank you. Imam Mursalighe, you told us earlier today that years before in Central Africa, there were Muslims and Christians, Protestants, Catholics, living peacefully together. There were Muslims married to Christian and vice versa. What happened that this violence could break out? Merci beaucoup. J'adresse la prochaine question à l'imam Ouessaleg. Alors, vous m'avez dit aujourd'hui dans la journée que dans le passé, les musulmans et les chrétiens, catholiques, protestants, etc., vivaient en paix ensemble dans notre pays. Il y avait des intermariages, ils vivaient en paix ensemble. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que il y a tant de violence et de problèmes qui est Je vous remercie. Permettez que je rende hommage à son éminence Imam Oumar Kobine Layama, qui n'est plus des nôtres. Oui, en République centrafricaine, les musulmans et les chrétiens vivaient en toute symbiose jusqu'à ce que, en décembre 2012, il y a eu un mouvement de rébellion qui s'était lancé à la conquête du pouvoir politique. Et dans leur avancée, on les a qualifiés faussement de milices musulmanes. Et à ce titre, il y a eu des mouvements de population
qui se sont opposés contre les civils musulmans qui n'avaient rien à voir avec les rebelles. Et du coup, les médias ont dû interpréter mal que c'était des musulmans qui venaient pour combattre les chrétiens. Malheureusement, cette situation s'est aggravée avec le sursaut de nouveaux mouvements rebelles appelés anti-Balaka, qui a complexifié cette guerre. Et du coup, les deux factions, Séléka et Anti-Balaka, se sont opposées farouchement, visant ainsi les populations civiles de part et d'autre. Et cela a laissé des impressions qu'il y avait une guerre confessionnelle en République centrafricaine. Or, cela n'a pas été le cas, parce que ce ne sont pas des leaders religieux qui ont appelé à une confrontation entre les musulmans et les chrétiens, mais plutôt des mouvements politiques avec des réclamations politiques. C'est ce qui est arrivé, et heureusement, les leaders religieux ont vu la gravité, se sont mis debout comme un seul homme parlant d'une seule voix et ont relevé les défis. Aujourd'hui, ceux qui se regardaient en chien de faïence se sont fusionnés pour devenir un seul mouvement à la conquête du pouvoir, donnant ainsi l'impression qu'effectivement, il n'y avait pas de guerre de religion en République centrafricaine. Thank you so much. First of all, let me give an homage to His Eminence Omar Kubin Layama, the Imam who tragically died sometime. Yes, you're right. Actually, in the past, Muslims and Christians lived in a symbiosis together in this country, in our country, until in December 2012, the rebellion movement came up in conquest of political power in our country. Actually, they were titled wrongly the Muslim Militia, and therefore an opposition to this militia was formed, meaning that there was also a fight against Muslim civilians who suffered from it. The media interpreted this situation wrongly, and unfortunately, this situation got worse with new rebellion groups that fought. One rebellion group, the Anti-Balaka, were then fighting the other, meaning that the war became more complex. Both war parties, the Selekas and the Banti Balakas, fought each other and are still fighting each other, and the civilian population in this country is suffering enormously from this. This is wrongly named a confessional war, but it is not about religious power, it is about the conquest of political power. The religious leaders in our country never called for a religious war. Instead, they grouped up together to speak with one voice together to form one movement to fight this. Thank you. Mr. Stühler, you made this film under very special conditions. I have sort of a
split question. So first, how did you come about the subject? Because as I can imagine, and maybe I want to ask this question to you, to the audience, who of you knew the Central African Republic before? Who knew that this is a country? Just, if you could just, yeah? I think it's about, it is about half. But that is maybe also part of the problem. It's hardly anyone knows the country and knows the conflict that is going there. And so my question, how did you come to that subject to do the film about the Central African Republic? Ça, j'ai commencé par un constat qu'on avait de plus en plus de difficultés à parler entre nous. Je veux dire par là que on est tous convaincus d'être dans une... nos convictions, que ce soit religieuse, politique, une vision du monde, mais de plus en plus de difficultés à dialoguer, à comprendre l'autre. Actually, we started by a statement, meaning that we have increasing difficulty to talk to each other. We all have convictions, we all have ideas, religious, political, world vision, but actually, we have increasingly difficulty to have a dialogue, to talk to each other, to understand each other. Je me suis rendu en Syrie en 2001, et là j'ai rencontré un père jésuite qui était fortement engagé dans le dialogue interreligieux, et je me suis dit qu'il y avait là probablement, en tout cas ça m'ouvrait mon regard, moi qui ne suis pas croyant, j'avais l'impression qu'à travers lui je pourrais apprendre des choses et peut-être raconter son histoire d'homme engagé qui prenait sa voiture comme le cardinal à la rencontre des chiites, des sunnites, de toutes les communautés en présence en Syrie. Malheureusement, l'histoire lui a fait perdre la vie. Il a été enlevé par Daesh. Et donc, j'ai cherché autour du monde, convaincu qu'il y avait d'autres hommes comme lui, engagés, pour aller à la rencontre des autres. Et c'est comme ça que je suis arrivé sur cette histoire de ces trois saints de Bangui, comme on les appelle, un cardinal, un pasteur et un imam. Et une fois arrivé sur place, je me suis rendu compte aussi de l'oubli de ce pays, que très peu de journalistes internationaux se rendent dans le pays. À Bangui, c'est possible, mais dans le pays, c'est très dangereux.
Alors je me suis dit aussi qu'il y avait là une grande responsabilité de donner la parole à ce peuple centrafricain. Last short question before I open the floor to your questions. You had very special working condition as well. You were not working with a team, with a sound engineer and a cameraman, as I learned. Dernière question à vous avant de donner la voix publique à l'audience. Donc, vous avez vraiment travaillé dans des conditions très à savoir, vous étiez seul, vous n'aviez pas d'équipe avec vous, pas de caméraman, pas de technicien son. Comment avez-vous fait? Très vite, je me suis rendu compte que je ne pourrais pas travailler comme d'habitude avec une équipe. Il aurait fallu que j'aie une escorte militaire. Alors, comment aller à la rencontre d'un peuple qui souffre par les armes en étant moi-même protégé par des hommes en armes? C'était impossible. Donc c'est une grande chance que j'ai pu m'introduire et être accepté par le cardinal et l'imam. Et c'est comme ça que j'ai pu me fondre dans leur équipe pour accéder à ce peuple qui souffre. Certes, je n'ai pas pu aller partout. J'ai dû écouter quand ils me disaient « ne viens pas, c'est trop dangereux ». J'ai remis mon petit équipement au journaliste qu'on voit dans le film, Landry, qui a pu ramener pour moi certaines séquences que je n'ai pas pu faire. Donc c'est un film très simple, mais je crois très proche de la parole et des émotions du peuple. So now we open the floor, and if there is anyone who wants to ask a question to the cardinal, imam, or to the director, please, there is a microphone. You can ask your question also in German. I will translate that. Vous pouvez poser vos questions maintenant. Le public est invité à poser ses questions au cardinal. Allô, allô. Ouais. J'aimerais vous remercier en français rapidement pour le film. C'est une situation que vous nous avez exposée, qu'on ne connaît pas beaucoup. Donc pour ça, je vous remercie tous les trois. Can I ask it in English, in French, or?
Beaucoup des gens en République centrafricaine parlent beaucoup des Nations Unies, parlent du fait que les Nations Unies ont laissé tomber un peu les Centrafricains. À quel point est-ce que les Nations Unies ont vraiment laissé tomber les Centrafricains? Merci beaucoup pour la question. Je veux simplement dire que les Nations Unies ont des règles. Ça veut dire, quand on arrive dans un pays, je prends un exemple, il ne doit pas aller au-delà de 5 kilomètres. Les rebelles le savent. Ils sont là à 6, 7, 8 kilomètres pour les exactions, les raquettes, les vols. Quand les rebelles arrivent, s'ils sont une centaine et qu'il y a une cinquantaine de militaires des Nations Unies, ils ne vont pas combattre, même s'ils ont des armes et des chargeurs de munitions. Parce que le nombre, ils vont dire, ce n'est pas, on n'a pas le nombre suffisant. À Lindao, c'est ce qu'ils nous ont dit. On n'était pas nombreux pour faire face aux assaillants et on s'est replié. Mais le bas peuple ne comprend pas ça. Ceux qui ont suivi l'histoire ou les problèmes en Yougoslavie, en Bosnie, les gens se plaignaient déjà il y a 30 ans que les Nations Unies ne font pas grand-chose. Beaucoup de paperasserie, des téléphones et autre temps, les rebelles sont là dans le camp, ils brûlent. Le temps d'attendre les réponses, ils n'attendent pas. Et ça, ça freine la grosse machine qu'il faut mettre en place, il faut attendre. Ça freine et souvent on constate le résultat, il y a déjà beaucoup de morts. So, are there any more questions, maybe, from the floor? There's someone coming. Could you just come to the microphone, because... It's too big for me, too high. Okay. Good evening. Would like to know about the government. Is there any support to you, to your discussions? Je voudrais connaître
Eh bien, avec la crise de 2013, l'État était réduit à néant. Ça veut dire qu'il y a une, on va dire, l'administration ne fonctionnait plus comme avant. En 2016, quand il y a eu le nouveau président, on recommençait les choses à zéro. Parce qu'il fallait renvoyer ou bien envoyer encore de nouveaux responsables. Mais les rebelles contrôlaient les trois quarts du territoire. Et le gouvernement était à Bangui. Mais à l'intérieur, c'était des rebelles. Même s'il y a le préfet, même s'il y a les maires, c'est les rebelles qui étaient les maîtres. Quand on regarde les choses d'ici, c'est surréaliste de voir que la population est abandonnée, personne pour les protéger. Mais à l'époque, il y avait 10 militaires et 2 armes à cause de l'embargo qui était imposé au gouvernement. Plusieurs fois, je suis allé voir le président de la République pour lui expliquer les choses. J'ai senti une impuissance aussi, parce qu'il n'avait pas les moyens limités. Alors, les choses ont changé depuis janvier parce que, avec, comme a dit l'imam, le désir des rebelles de prendre le pouvoir, il y a une alliance un accord bilatéral entre la Russie et entre le Rwanda et la République centrafricaine. Ces deux pays sont venus au secours du pays de la République centrafricaine et ont repoussé les rebelles. À la date d'aujourd'hui, 80% du territoire est contrôlé par le gouvernement. Donc les choses ont changé. Mais les rebelles sont dans les petits villages, à 15, 20, 30 kilomètres encore avec leurs armes. Around the small villages, so they're still present. Yeah, but who supplies them with the weapons? Yeah, where do they have their weapons from if the government doesn't have any? Thank you so much. Hi. I wanted to just ask about how your collaboration has been going between the religions. Like,
how has it been going since 2012? Has there been like progression within the civilian population in accepting it, and how is it within your own religions, the two collaborating? Yeah. Bonjour, j'ai une question par rapport à la collaboration interreligieuse. Depuis 2012, y a-t-il eu une progression dans la coopération entre les religions? Et surtout, est-ce que cette coopération entre vous deux religions a été acceptée par la population civile? Merci pour cette question. Les leaders religieux n'ont pas de problème entre eux. Quand ils se sont mis ensemble, simultanément, dans l'arrière-pays, les leaders religieux dans chaque province se sont aussi mis ensemble pour travailler dans le même sens, pour que les gens vivent toujours en symbiose et que la paix soit renforcée. Donc, la collaboration entre les leaders religieux est au beau fixe. Thank you for your question. Actually, the cooperation between religious leaders is no problem at all. When the highest religious leaders in the country grouped up and started their collaboration, even in the provinces, different religious leaders did the same. And in order to work together for peace, the cooperation between the religious leaders in our country is very positive. Mais comme vous le savez, la population a été quelque peu malmenée par les va-t-en-guerre. C'est pour cela que les religieux s'évertuent à travailler leur cœur, à désarmer leur cœur, et c'est grâce à ce travail de désarmement des cœurs que les civils ou la population finit par comprendre le degré de manipulation et finalement s'arrange derrière les leaders religieux pour que l'amour triomphe, la réconciliation revient parmi les différentes couches des communautés religieuses. Well, as you know, our population has been somewhat led into wrong direction, and we worked in order to disarm the hearts, actually the hearts of the population, so in order to make them also understand the degree of manipulation that they suffered from the different rebel groups. And all this to favor the triumph of love and reconciliation. Thank you. So the question seems to be answered. So we come to the end of this evening. A tiny little last question from my side, because as we're in Berlin, as a house of one, we are building a house with a church, a synagogue, and a mosque under one roof. And in Bangui, we collaborate because you have the same idea, building up a house, la maison de paix et de religion. What is your aim? Who is that house for? Comme on vient à la fin de notre soirée, permettez-moi de poser une dernière question. Vous savez, nous, de notre organisation House of One, nous nous apprêtons à construire ici à Berlin une maison qui est en même temps une église, une mosquée et une synagogue. Et je sais que vous, à Bangui, vous poursuivez le même objectif, à savoir, vous voulez
construire ce que vous appelez la maison de la paix et de la religion. Alors, pour qui et pour quelles raisons voulez-vous construire cette maison de la paix et de la religion ? Nous voulons construire cette maison de la paix et de la religion pour le peuple centrafricain. Qu'on soit croyant ou pas, cette maison est destinée pour tout le peuple. C'est le lieu de rencontre, lieu de retrouvailles, lieu de recueillement, lieu de prière, lieu simplement de fraternité. Et je pense que cette maison peut être un lieu pour rassembler tous les enfants. Voilà pourquoi nous pensons qu'il est important de nous mettre tous ensemble, construire une maison pour tous nos enfants, sans distinction de religion. We want to build this house for peace and religion for the population of the Central African Republic. It is a house of religion. It is supposed to be a meeting place. It is a place to think together, to meditate, to pray. And it is also simply a house for fraternity. It is a house that, to my mind, we must build for our children, together, all our children together, indistinctive of their religion. Thank you very much. And thank to you all that you came here this evening. And I hope you take the cause of the Central African people with you in your heart home. And I wish you a safe way home. Thank you very much. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette soirée. Donc, j'espère que vous allez ramener la cause de la République centrafricaine chez vous, dans vos cœurs. Merci et au revoir.